Façon que le serviteur Timothée est consacré pour le ministère, on doit aussi consacrer leur couple pour que devant le Seigneur, qu'ils soient reconnus comme mariés. Il a payé la dot à sa femme. Donc, devant le Seigneur, on doit les unir, on doit les consacrer pour que devant Dieu, qu'ils soient un. Alléluia. Amen. Et nous le faisons devant le peuple pour que le ciel soit témoin. Qui a interprété? Interprétation. Ouais, voilà, interprétation. Voilà. Pour que devant le peuple, devant Dieu, que tout le monde soit témoin. Ainsi, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, Katabima, Timothée a une seule femme sur la terre. Timothée, Moussou, ben, télé, ben. Et elle, rappelle-moi ton nom. Hein? Ton nom de baptême. Tu as reçu le nom de baptême aujourd'hui, non? Tu as oublié? Hé, hey, le nom de baptême là, on n'oublie pas, hein? Ah, si tu oublies là, quand tu seras au portail du ciel, et l'ange va appeler ton nom, tu vas commencer à regarder derrière. Alors que c'est toi, on appelle. On n'oublie pas le nom de baptême, c'est attendu. Amen. Ah, on n'oublie pas même. Ah, merci d'homme, il voulait te voir la tienne en main. Il y a un nom que vous avez avant là. Donc, tu as mis à tout ça là, c'est parti. Allez, ça là. Le nom que vous avez reçu, le jour de baptême. C'est ton nom que tu portes désormais là. Donc, allez, le bec, si c'est un ton. Et c'est pas ce nom, on va t'appeler. Donc, autant le. Donc, vous devez même promouvoir ce nom. Comment faire quoi aller tourner avec les choses morbida. Si tu t'appelais avant Arafat, quand tu m'appelles Arafat, quelqu'un t'appelle Arafat. Quand nous m'aurons donc appelé Arafat. Toi tu continues ton chemin. Il vient te toucher pour dire mais c'est toi j'appelle non. Quoi avec Arafat il est le mort. Arafat toi tu connais là. Il est déjà mort dans l'eau de baptême. Quoi aller ça là. Ici là c'est Philippe qui est ici désormais. Amen. Le nom que les sorciers connaissaient pour vous avant là. Il faut que ces noms soient effacés. Amen. Ton nom avant qu'ils ont écrit dans leur livre là. Que ces noms disparaissent. Quand ils vont t'appeler dans leur lieu de réunion. La personne qu'ils appellent, ce n'est plus la même personne. Donc, on ne s'amuse pas avec le nom de baptême. Vous avez compris? Voilà. Tu as compris? Voilà. Donc, aujourd'hui, Kobi, devant Dieu, devant les hommes, Allah a fait. Sarah a un seul homme sur la terre. Quand Sarah qui avait bi. Un seul mari sur la terre. Le jour un homme va tenter. Ou bien le jour elle va tenter. D'accepter un autre homme de toucher. Le jour là. C'est comme la mort. Lui aussi. Le jour va tenter. De découvrir la nudité d'une autre femme. Le jour là, c'est sa mort.
Dieu ne s'amuse pas avec le sujet de mariage. Vous qui vivez déjà avec un homme. Et on vous a baptisé aujourd'hui. Si quelqu'un tente parmi vous d'aller coucher avec un autre homme là. Quand il va mourir là, même personne ne va aller. On ne s'amuse pas avec le Dieu que nous sommes venus prêcher. C'est un Dieu concret. Tout homme ici qui est déjà marié, qui vit avec une femme. Vous devez tout faire pour régler la dot en urgence, ceux qui n'ont pas encore réglé leur dot. Et vous demeurez avec votre seule femme. Ceux qui vont régler leur dot, ils vont venir. Le serviteur Timothée va les unir, va les consacrer devant l'église. C'est comme ça. Même si tu n'as pas encore payé la dot, dès le moment là, tu n'as plus le droit de toucher une autre femme dans ta vie. Si tu le fais, Jésus va supprimer ton nom du livre de vie. C'est pas une blague. C'est très important. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de l'impudicité dans son église. Je vous dis, de temps en temps, les gens vont tenter là. Le Saint-Esprit va frapper certains comme pour montrer qu'on ne s'amuse pas avec lui. Ceux qui vont commettre l'adultère, elles vont se cacher dans l'église. Quand le dimanche tu vas finir de lire la règle de sainteté ou quelqu'un que tu vas désigner, qui va finir de lire, avant de passer dans le moment de prière là, tu donnes 5 minutes à ceux qui ont commis une abomination de venir devant pour confesser. Mais si ça passe les 5 minutes là, tu pries pour demander, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui vit dans souillé dans ton église, Seigneur, dévoile-le. Tu vas voir comment le Saint-Esprit chicote les gens publiquement. Donc dimanche l'eau, et Saint-Esprit a comment il a bien fort. Ni abana ka fort, abena wati di moroma. Ni tu l'eau, il est mis ben grumou là, il ben na moro nya fe kana, il a grumou fort. Ni ma soma, ni abola là, amena fort matri ma ko matri. Il vola au kan, yani obena fort ben ya fe. Donc abena au bougo. C'est très important. Donc akana trimke ni matri a koyé. Alléluia. L'église est bâtie sur la sainteté. Sur la crainte de Dieu. Donc, ayez la crainte pour adorer ce Dieu. Alléluia. Là, je vous fais face. Vous allez sur vos genoux. Allez, j'ai mon Dieu. Prenez. Allez. Tu vas promettre devant Dieu, devant les hommes, de garder ta femme, Sarah, comme ta seule femme de toute ta vie. Et tu promets de veiller sur elle, de prendre soin d'elle, de la garder, de la nourrir, de la vêtir et de la conduire dans la crainte de Dieu. Tu peux dire dans ta langue. Non, il faut dire ça dans ta langue. Voilà, pour que tout le monde comprenne. Katabila, Katasinima, Mie Kelabi, Trouboukouyakou, Nta Mousso, Sarah. Allez, là, on t'a de mes bras, Katabi, alors même de mes bras, Mikela a de mes coyers,
mena alek ne fronta de meko ale fro mena ok donc kata bila kata sinila amenola du kan kata sa Voilà tout ce que ton mari a dit. De ton tour, tu vas promettre devant Dieu, devant les hommes, de rester avec lui, de lui obéir, de te soumettre à lui, de prendre soin de lui, de l'aimer, de le vêtir, de vraiment l'aider à réussir la mission que le Seigneur lui a confiée. Tu as la parole. Tu as vu comment lui l'a crié. Donc tout le monde vient entendre aussi ta voix. Silence. Amen. La mort ne va même pas vous séparer. C'est Jésus qui vient vous chercher. Voilà, même la mort ne peut pas vous séparer. Amen. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Tout ce que je vais unir sur la terre sera uni au ciel. Seigneur, par cette autorité, je prie maintenant que ce couple soit uni. Seigneur, que ton serviteur Timothée et ta servante Sarah soient désormais unis dans le lien de mariage. Seigneur Jésus, tu les unis par ton Esprit Saint et tu les bénis. Seigneur, ils ont promis d'être fidèles l'un à l'autre, de vivre dans la sainteté, dans l'amour. Seigneur, je te prie de les bénir. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur Jésus, tout ce que leurs mains toucheront, soit béni. Amen. Seigneur, bénis leurs entrailles. Seigneur, bénis les fruits de leurs entrailles. Amen. Seigneur Jésus, ouins-les. Seigneur, ouins-les. Seigneur, ouins-les. Seigneur, ouins-les. Seigneur, sème dans le cœur de ta fille Sarah. Sème l'humilité, la fidélité, la sainteté, l'honnêteté. Et sème dans le cœur de ton serviteur Timothée. Oui, sème l'amour, sème la vérité, sème l'honnêteté, sème la fidélité envers sa femme. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu les unis par le feu du Saint-Esprit. Amen. Tu les unis par le feu du Saint-Esprit. Amen. Tu les unis par le feu du Saint-Esprit. Amen. Ton plan de l'ennemi contre leur foyer soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Tout œil méchant qui va regarder leur foyer avec des yeux maléfiques, je prie que leurs yeux soient crevés au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu les protèges. Seigneur, tu bénis leurs entrailles. Seigneur, tu bénis leurs enfants. Seigneur, tu bénis tout ce que leurs mains toucheront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la rosée du ciel jaille sur leur vie. Que la rosée de paix jaille sur leur vie. Que la rosée de grâce jaille sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, devant le peuple et devant le trône de Dieu, Timothée et Sarah sont mariés par le lien de mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you.
On va unir ces deux là, on va danser ensemble. Voilà. Avi, tu es prêt? Est-ce qu'il n'allait pas? Est-ce qu'il n'allait pas? Le Seigneur t'a fait de grandes choses aujourd'hui. L'esprit qui te fatiguait là, c'est l'esprit qui l'a conduisé en enfer. Et Jésus l'a délivré. Amen. Mais il y a encore quelque chose qu'elle doit vraiment combattre par la prière. La colère. La colère. Ça là, c'est une porte d'ouverture. Et tant que tu te laisses à la colère, l'esprit va passer par la colère pour encore rentrer dans ta vie. Donc, il faut vraiment que tu prennes la prière, la colère par la prière. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, Jésus t'aime beaucoup. Jésus a de très grands projets pour toi. Tu vas faire ta peau bas que Kadima. J'ai compris. Voilà. Maintenant, lui c'est ton mari. Non, c'est ton mari. Ou bien tu as un autre mari encore. Hein? C'est lui. Hein? Il a payé ta dot. Il a payé ta dot. D'accord. Ok, allez suivre vos chéris. Ah, tu regardes ailleurs. Tu regardes son visage. Voilà. Faut bien regarder. D'accord. Maintenant, tu vas promettre devant Dieu et devant les hommes de l'aimer, de le chérir, de prendre soin de lui, de vivre avec lui, dans la vérité. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Ah, il faut interpréter. Elle dit quoi? Elle a compris. Voilà. Donc, tu promets de vivre avec lui et d'être sa femme jusqu'à ce que la tempête sorte. D'accord? Voilà. Ok, tu as la parole. Tu le regardes. Tu l'appelles comment? Le nom que tu lui appelles. Nestor. Hey, c'est pas Nestor. Ici, là, il n'y a pas Nestor. Soit c'est ton papa, soit c'est ton chéri, soit c'est ton... Voilà, soit c'est ton amour. Hein? Dieu n'est pas d'accord, hein? Dans la Bible, là, Sarah appelle Abraham comment? Hein? Seigneur! Alors, Sarah n'a jamais dit Abraham. Je vous dis, toutes les femmes qui appellent grotesquement, grossièrement le nom de leur mari là, Dieu se fâche. Hein? Oui, Dieu se fâche. La Bible a pris Sarah comme le modèle de toutes les femmes chrétiennes. Mais Sarah n'a jamais appelé le nom d'Abraham. Sarah appelle Abraham Seigneur. Et Sarah, ça veut dire soumission. Donc les femmes qui appellent arrogamment leur mari là, vous faites trembler le trône de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est pas une blague. C'est comme si tu vois Jésus s'en a, et comme ça, tu dis, hé Jésus. Faut corriger ça vite. On est d'accord. Voilà. Maintenant, tu lui donnes quel nom?
Aujourd'hui, tu vas crier. Voilà, je vais être vrai. Hein? Là, on a une toque avec chérie, papa ou bien un truc. Donc, à doper, mais quand vous m'en. Hein? Voilà. Elle a dit c'est chérie. Elle va dire ici et demain, elle va oublier. Tous les jours, tu veux l'appeler désormais là. C'est ton chéri. Est-ce que c'est d'accord? Je l'avais chéri, ton nom d'accord. Et tu n'as que là, je l'avais là, je chéri. Voilà. Maintenant, toi, tu veux l'appeler comment? Ah! Elle dit, c'est son amour adorable. Ah. Voilà. Okay. Donc tu appelles ton chéri et tout ce que j'ai dit, tu vas le promettre devant Dieu et on va faire la prière. Et, hein? Silence. En pègue. Tu le regardes. Pourquoi tu regardes ailleurs? C'est quoi? Silence. En pègue. Ayo tomi la gete ke dire me la pele na ko je je ya ko na radi ya mo tuta je oui on va se tete ici. Silence. C'est quoi? Vous êtes en train de chuchoter ou bien quoi? C'est pas entre vous deux, hein? C'est tout le monde qui doit entendre ça. Faut pas jouer avec vous. Ah! J'ai appelé. Faut pas faire ça. Tout le monde doit apprendre ça. Belle la gueule, c'est qu'elle dit rien. Oui? C'est quoi tu dis là? Et voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un en cachette qui te guettait. Tu veux que la personne sache qu'aujourd'hui tu es marié. Faut regarder. D'accord, on prend ça comme ça. Ok. Mon amour adorable. Je t'aime. Bon, adorable, on va laisser. Ah, mon amour. Seul. Ah, Jésus est le seul adorable. Ok. Voilà. Mon amour, je t'aime. Je ne vais pas te désobéir. Et je ne vais pas prendre autre femme devant ta face.
je vais te servir comme le Seigneur le demande. Et je serai fidèle à toi jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Amen. Acclamez Jésus. Son amour là, ça te parle ou pas? C'est ça? Hein? Ah, tu dis où? Ok, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, Dieu très très saint. Papa, voici ton fils, voici ta fille. Devant ton peuple, les deux se sont engagés de vivre ensemble dans le lien de mariage. Seigneur, je prie de les unir, de les bénir. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que les deux deviennent une seule chair. Seigneur, que ton esprit les unit. Que ton esprit saint les unit. Que ton esprit saint les unit. Que ton esprit saint les unit. Seigneur, bénis-les. Tout ce que leurs mains toucheront soit béni. Seigneur, bénis leurs entrailles. Et bénis les fruits de leurs entrailles. Seigneur, tout sorcier qui va tenter de toucher à leur foyer soit frappé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu les couvres par ton sang précieux. Tu les couvres par ton sang. Tu les couvres par ton sang. Tu les couvres par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que les deux deviennent une seule chair. Amen. Seigneur Jésus, Papa, que la rosée du ciel jaille sur leur vie. Jaille sur leur vie. Jaille sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis leurs projets. Bénis leurs activités. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous allez donner un chant. Maintenant, les deux couples vont venir danser là. On va rester dans cette danse.